C'est une blague ou quoi? La voiture est à 20 mètres, on n'est pas prêt d'arriver dans ces conditions. Je vais chercher un parapluie. On ne va rien chercher du tout, on part maintenant, ce ne sont pas sans doute qui vont nous tuer. Même les éléments se mettent au garde à vous. Oh, regardez toutes ces couleurs! Oh, regardez! Travelon, perruque. Les guerres pissées, bande de voyous. Sont encore immatures à cet âge-là. Prêt à tout pour faire les malins. J'ai bien connu ça. C'est toujours difficile de se zinguer contre des regards malveillants. Excuse-moi, j'ai perdu l'équilibre. Ça va? Oui, toi, tu fais pas mal? Non, tu as amorti la chute. Je te remercie. Je sais, mon boulot, il me manque. J'aurais aimé que tu viennes avec moi. Peut-être que les arbres voyagent la nuit? Peut-être. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Depuis la dune, tu n'as pas l'air dans ton assiette. J'ai dit une connerie? Non, c'est juste que des jeunes sont foutus de moi, voilà. À propos de... Oui, à propos de... J'avais des doutes à Nantes, sans vouloir y croire. Sous ma jupe, il n'y a plus de couilles depuis un an. Donc si je comprends bien, vous avez subi une opération au niveau des parties génitales? Oui, clic-clac. Et c'est dangereux ce type d'opération, non? Oui, ça l'est, mais pour accorder mon corps à mon esprit, j'étais prête à perdre ma libido, attraper une infection, voire mourir. Et ça a commencé quand? Quoi, ma maladie, ma psychose? Ce mal-être dans votre peau d'homme. Je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? C'est ce que j'ai à te dire qui me rend malade. Qu'as-tu à me dire? À ton avis, pourquoi Naïs est-elle partie? Je ne sais pas, elle avait besoin de réfléchir, de changer d'air. Elle se sentait claustro dans cet appart. Oui, il y a un peu de ça, mais pas que. On joue aux devinettes? C'est que c'est pas si évident à dire. J'aimerais que tu comprennes tout seul. Attends, tu vas m'apprendre qu'elle est partie avec un autre? Eh bah oui, voilà. Oh, ma chérie, je suis contente de te revoir. Mais maman, tu ne laisses plus, hein? Mais tu portes mon foulard? Je ne l'ai pas quitté depuis ton départ. Mon amour, tu m'as manqué, toi aussi. Bonjour. Tu ne me racontes pas, je crois. Oui, il serait temps. En fait, on ne part pas tout de suite. Hein? Et qu'avez-vous prévu? Voilà. Pendant 3 mois, avant la rentrée de Manon, on part faire un tour du monde. Tant des destinations nous faisaient rêver. J'avais promis à Anaïs une vie d'exotisme et de nomade, et je l'ai pas emmené plus loin de Paris et de Crozon. On vous laisse la voiture pour rentrer à Nantes, nous, on prendra l'avion pour parcourir l'Australie, les États-Unis et l'Asie. On se retrouve vite, dès ton retour à Nantes. Tu vas me manquer. Tous les soirs, en regardant le ciel, j'aurai une pensée pour toi, avant que les arbres n'entament leur voyage à travers la nuit. Ça fait un mob. Oui, elle se sentait claustro dans cet appart. En fait, on ne rentre pas tout de suite. Et un. Voilà, pendant 3 mois, avant la rentrée de Anaïs. Pas Sophie, depuis la dune, tu n'as pas l'argent. Sophie. Oh, regardez. Regardez. Il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? En fait, on ne part pas tout de suite. Ah, qu'avez-vous prévu? Voilà, pendant 3 mois avant... Ma chérie, je suis contente de te revoir. Ma maman! Oui, c'est bon, j'ai appuyé sur le bouton.